Quelle entrée, quelle réaction, quel pop. Je avec Geneviève Lacasse, le 25e édition du podcast sur le ring en ligne. Jen, on vient d'entendre l'entrée de Cody Road hier. Finalement, l'attente a été terminée. Cody Road est effectivement rendu à la WWE. Puis ceux qui disaient, comme beaucoup sais, ils, ils parlaient un peu de Jericho dans le temps. En voulant dire que ceux qui vont arriver de la AEW, ça ne marchera pas. Hier, on a eu la preuve que Cody Rhodes, écoute, tu sais, déjà, c'est une grosse famille dans la lutte. Mm -hmm. Hier, on ne pouvait pas espérer un, 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 mieux, un retour mieux que ça. Puis c'était attendu. Fallait qu'il soit là. Puis il était là. Puis regarde. Ça a été ah, les incroyable. Femmes, les, les femmes, c'est ce qu'ils voulaient, Puis, euh, Moi, je suis super heureuse qu'ils soient en lui-même avec sa euh, sais, Puis tu le vois qu'il est là pour une mission, tu le vois qu'il est là pour quelque chose. Puis je pense que c'est pour se prouver à lui aussi qu'il est dans l'élite. Puis euh, je pense que son chalinat va être super bon à voir euh, dans les prochains mois. Puis tout. Je, en tout cas, j'espère que la E, on va faire vraiment de quoi de bien avec. Hier, yeah, c'était c'était magique, ça fait partie des des moments highlights de la soirée d'hier. Écoute, moi, j'ai écouté les réactions. J'aime ça aller sur YouTube puis regarder les réactions des fans. Des fois, ils font des compilations. Oui. J'ai regardé cette entrée-là à peu près 25 fois, là, en date à l'heure qu'il est là, là. 25 fois, là. Puis j'ai encore des frissons. C'est incroyable. C'est, C'était un beau moment. Ouais, c'était un beau moment. Puis, à la fin, quand, surtout quand il a embrassé le ring, c'est tout dire là. Il revient, oh oui. à, il revient à la maison. Il ne faut, faut pas se le cacher. L'arrivée euh, de Cody Rhodes, ça vient marquer un point tournant. Parce que depuis deux ans, on voit le monde de la WWE flyer vers la AEW. Là, c'est vraiment le premier lutteur d'impact. Là, je ne parle pas de la FD. Je parle d'impact oh oui. qui switch de la AEW à la WWE. Puis en plus, Cody Rhodes n'était pas juste lutteur. Il était vice-président exécutif. Donc, il était dans la garde rapprochée de Tony Khan. C'est ah, ça. Puis après deux ans qu'il décide de partir, satisfait ou pas, on, on, ça fait longtemps qu'on en, qu qu en parle, là, toi et moi, là, de, de ces impressions-là. Puis d'après moi, ça ne sera pas le dernier. On va juste voir ce qui va arriver. Mais hier, je te dis, regarde, j'avais une émotion, là, ça fait longtemps. Tu j'ai eu à peu près la même émotion quand Adam Cole est arrivé à All-Out au mois de septembre, mais c'est pas la même chose. On est habitué, on se demande toujours c'est qui le prochain, un peu comme Goldberg oh, ou next, c'est qui le prochain que ton écran va signer. Mais là, c'était vraiment spécial. Puis, regarde, ça, ça, a livré la, ça a livré la marchandise, puis euh, moi, je lève mon chapeau. Puis, les gens, t'sais, je, je, je regarde un peu ce qu'ils se disent sur les réseaux sociaux. Encore là, les gens vont voir qu'ils comprennent que Cody Rowe, la, la lutte, tu signes des contrats. Tu n'arrives pas là pour dire, ah, je vais juste à la WWE. T'sais. Dans son contrat, ça doit être spécifié que, regarde, il s'en va pour un match de championnat. Il le dit, ça ne l'est pas caché. Il veut la ceinture, il veut, il veut les grands honneurs à la WWE. Puis je pense que dans son contrat, il doit avoir une clause qu'avant la fin de son contrat, il va sûrement avoir euh, un titre le titre de la WWE, que ce soit universel, ou WWE ou unifié, peu, peu importe, appelons-le comme, ouais. comme on veut. Mais c'est sûr que là, faut oublier le, le, le Stardust. Là, il a fait un clin d'œil hier, c'est correct, puis il va continuer à en faire. Mais là, on est dans une ligue à part. Là. Quand euh, Cody a quitté, là, il y a six ans, déjà, quand il est arrivé à Ring of Honor puis qu'il a fait son turn sur euh, Jay Little, c'était magique. Tu sais, avec les Young Bucks, tout ça... Il a vraiment montré que c'était un lutteur d'impact, un main-eventer, puis hier, on l'a vu. Euh, je souhaitais juste, mais ça reste la WWE, des fois, le booking, il... je me suis dit, faut pas qu'il fasse perdre. Là. Peu importe le moyen, faut il faut qu'il gagne clean dans le milieu du ring, c'est ce qui est arrivé. Chapeau, Chapeau à Seth Rollins, il faut être deux dans un match, puis les deux... T'sais, moi, quand je regarde un, un, un combat comme ça, un peu comme les, euh, les Briscoes avec FTR, oh tu sais, wow, ouais. moi, ce combat-là, il n'y a pas eu de perdant. Ben oui, il y a eu des perdants. Les Briscoes ont perdu. Mais moi, pour moi, il n'y a pas eu de perdant parce que ces deux équipes-là ont livré la marchandise. Je l'ai dit. Je prévois un match 5 étoiles. Mesler va sûrement leur donner un 5 et je ne sais pas quoi. Oh Mais wow. un 5 étoiles, puis. Euh, Regarde, c'est déjà pour moi un candidat des matchs de l'année en 2022. Puis c'est un des meilleurs matchs par équipe que j'ai vu dans les cinq dernières années. Puis on va en parler encore comme référence de ce combat-là dans 5 dix ans. Puis que, fait que, pour moi, le, le combat entre Cody et Seth Rollins, pour moi, il n'y a pas eu de perdant là-dedans. La foule a été gagnante, elle a, elle a eu ouais. ce qu'elle voulait. Les fans ont eu ce qu'ils voulaient. Puis Seth Rollins, garde il s'est couché. Puis il n'y a pas, ah, j'ai perdu contre Cody Rhodes. Non, non. On, on va juste se souvenir que, tu sais, c'est qui, tu sais, on se souvient haut du premier. C'est qui que Cody Rhodes a affronté quand il est revenu. Tout le monde va se souvenir que c'était Seth Rollins puis qu'il a, a sorti un sacré bon match. Ouais, ouais, non, c'est vraiment un super bon match. Puis de moi, ce que j'entends dire euh, de Cody, c'est que, tu sais, euh, c'est un gars qui a l'air, euh, tu sais, il a des valeurs, il a des principes, puis, il, il sait, il, il veut les faire respecter. Puis, euh, il paraît que c'est un gars qui est rassembleur, c'est un gars humain, puis tout ça. Puis, euh, moi, s'il si a fait cette transition-là, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose qui va aller chercher en retour aussi, euh, pas, tu sais, euh, personnel aussi. Puis, tu sais, euh, en tout cas, je pense que le, le, le meilleur est à venir, puis euh, je trouve que qu ce qui a été montré hier, c'est juste le début de quelque chose de, qui, va, qui, qui va juste être enflammé. Euh, si euh, tout se fait comme euh, supposé, mais ben c'est sûr qu'il n'a pas fait ce changement-là pour rien, surtout avec euh, la, la, la prestance et euh, les positions qu'il y avait à la AEW. Là. Exact, puis tantôt avant qu'on en, qu entre en autre tu me parlais de la conférence de presse, j'ai écouté un petit peu, puis euh, regarde, là je suis sur le site in internet de Wrestling Observer, puis euh, il y a une question qui a été posée, savoir si euh, éventuellement avec la WWE, un rôle de dans le même site, dans un rôle euh, dans le management euh, arrière scène tout ça ça l'intéressait puis il était catégorique tu sais, c'est sûr faut comme qu'il dit il faut jamais dire jamais mais il a dit non ça, pour l'instant ça m'intéresse plus fait qu'il veut se concentrer sur la lutte y a-tu d'autres choses que tu retiens de la conférence de presse que que tu veux ben moi ce que je retiens c'est qu'il est vraiment là pour euh, il y a quelque chose à prouver euh, je pense au niveau de la lutte aux gens je pense qu'il veut racheter un peu tu sais comme un peu Comment qu'il avait été mal utilisé la dernière fois. Je pense qu'il veut juste euh, comme remonter euh, pour montrer des, tu euh, ce qui est rendu, puis le lutteur qui est. Puis euh, c'est peut-être après ça qu'il va se concentrer sur autre chose. Mais je pense que là c'est, c'est ça qui, qui est venu chercher. Pis pour moi ben, tu sais, il porte pas le nom de, de Road pour rien. Tu il va finir comme son père. Puis même son frère aussi ce qu'il fait à la, tu il encadre tout le monde à la AEW, les nouveaux et tout donc. Euh, je sais je pense juste que ça va de soi que ça va finir comme ça pour lui mais il y a vraiment quelque chose à prouver puis je pense qu'il y a peut-être des blessures dans le passé mais ça c'est ma perception euh, de comment il a été utilisé par la e, puis que là il s'est arrangé pour garder si si je reviens je vais montrer qui je suis puis je sais qu'est-ce que je vaut puis euh, c'est pas de la prétention de d'être de, à de de se de mais il sait qu'est-ce qu'il vaut puis euh, il veut que le monde le voit aussi puis euh, c'est tout en son honneur là, pour elle. Exactement, moi, ce que je retiens de la conférence euh, de presse, de ce que j'ai vu les 15 premières minutes, euh, il parlait des Young Bucks, il parlait de Kenny Omega qui était avec eux dans le, dans le staff de, de, de management de la AEW, puis il n'a pas blasté personne. Puis il blastera pas personne. Bon, il a remercié... je pense Il aime tout le monde. Euh... Non, mais tu, 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 tu me vois-tu aller où -ce que je veux aller avec oh, ça? Ouais. Tu sais, les, les bras. T'sais, cette semaine, je postais, moi, je ne sais pas trop pourquoi, je me souviens plus de pourquoi, le, 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 CM, le Punk. CM Punk. C'est un excellent entertainer, whatever, it was, mais moi, son broyage, j'ai toujours détesté ça. T'sais, que tu. Que tu sais Oui, tout ceux qui quitte, oui. Si tu quittes, parce que tu n'as pas aimé ton expérience, tout ça, tu peux le dire une fois. Une fois, c'est fini. On a compris. Quand c'est rendu, que tu t'en vas, puis la seule moyen que tu trouves de te mettre over, c'est toujours de planter, tu la WWE. Tu je faisais référence, tu le gars, il a pris 7 ans, 7 ans d'années sabbatiques. Ouais. Toi puis moi, là, là. serais-tu capable de prendre 7 ans sabbatique? Mmh, non, parce ben, que ça serait compliqué, là, pour revenir, là, ça va tellement vite, là, tu sais, euh, ben, ça va encore plus vite, mais, tu même dans les luttes indépendantes, là, ça bouge tellement. Euh, non, non, euh... moi je parle, moi je parle monétaire. Je parle de ta job. Ah, ok, oui, c'est ça. Ouais, les autres, c'est leur vrai job en C'est sa mais... job, là. C'est pour ça, ça que parle, quand je parle. Quand je parlais de sabbatique, là, je, te, je parlais pas de Ah, oh, il luttent plus ». Non, non. Côté monétaire, est-ce que tu serais capable toi, de prendre 7 non. ans sans travailler? Ben, bon, moi... Parce qu'il y en a gagné de l'argent là. Non, non, mais ben, c'est ça. Moi non plus, je ne serais pas capable. Je ne suis même pas capable de prendre une année sabbatique à mes frais, pas travailler. Le gars, il, il y a eu, il y a eu. Il s'est claqué sept ans. Tu sais, il en a fait du cash avec la WLU. Parce que, c'est toujours ça mon mal-être. T'as été malheureux, fine. T'as eu des blessures, tout le monde a des blessures dans la lutte, mm. fine. Mais tu sais, t'es devenu riche, tu de, sais, garde-toi une petite gêne. T'as pas, pas été content, fine, tu peux le dire, mais arrête de revenir là-dessus, parce que moi, il a perdu mon respect là-dedans, CM Punk. c'est pour ça que je faisais référence à à Cody Rhodes, qui lui a dit, regarde, il a remercié Tony Khan, il a parlé de ses anciens gars, il a parlé de son frère qui est encore là à aider les jeunes, il a parlé de son dernier combat contre sa amie qui est un, excusez, oui. un classique. Là, là, déjà, le cutter en haut de l'échelle, c'est quelque oh, chose. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça, fait que, tu sais, puis il blastera pas personne. Puis, je pense que c'est le même, tu sais, c'est le même que ça, ça doit se faire. T'sais. Tu te fermes pas il est de pas port. toujours obligé de, de partir en mauvais termes. Il, il y a des choses qui arrivent, tu sais, regarde, il y a. Il y en a tellement comme euh, tu sais euh, coupé l'année passée que si tout le monde se mettrait à charler tu sais c'est comme tu sais ça 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 l'arrêterait plus tu sais sauf que tu y en a du monde de même puis tu sais quand même dans l'autre indépendante Québec c'est la même chose tu sais euh, ça passe parce que ça passe d'une fédération à l'autre tu sais là on est toute une famille en bout de ligne là tu sais ces membres là ils se tiennent tout ensemble là, ils ont tout un lien là tu sais fait que pourquoi faire euh, de chialage, puis tout ça tu y il a trouvé son compte avec la AEW puis tant mieux pour lui puis tu sais comme ça va. les gens qui ont perdu leur job c'est leur vrai job fait que tu je peux comprendre aussi que euh, ça va de soi que si la AEW leur propose un contrat ils vont y aller tu sais ça leur gagne pain je veux dire euh, mais tu sais moi je suis pas du genre de de blaster les pour qui que je travaille. je dirais déjà qu'on on, on mettons qu'on me donne la chance de lutter dans leur ring pour pour moi, c'est déjà beaucoup. C'est déjà là, moi, c'est comme ça qu'on l'a appris. Fait que j'imagine que les autres aussi, ça doit être comme ça. Fait que de faire ça, je trouve ça un peu niaisé aussi, <laughs> Effectivement. Puis on s'entend que tous ceux qui ont signé les, avec, la, avec la IW dernièrement, c'est parce qu'ils se sont fait un nom à WWE. Là. Parce ouais, qu'ils ont lutté là, puis ils ont eu, là, réponse, ils ont ouais. eu de l'exposure. Parce que s'ils seraient juste des Andy, bon, il honnêtement, ils n'auraient pas monté comme qui ont monté là, à part peut-être quelques exceptions. C'est pour ça que je te dis. On s'est souvent servi. Même à l'époque, Kevin Nash et Scott Hall, quand ils ont quitté la WWE en 96 1996, euh, Eric Bischoff il les a pris justement parce que t'as deux gros noms, deux gros noms de où? de la WWE, puis il a fait son histoire là-dessus. Fait que tu sais, on, on, c'est ça que j'étais au moins historiquement. Ça, ça a toujours été ça mon malaise, de capitaliser sur la WWE. Puis même encore, je pousse mon raisonnement plus loin. Puis ça aussi, ça me fait. Un peu un petit sourire en coin. T'sais, tout le monde qui critique la WWE. En fin de semaine, c'est le week-end WrestleMania. Puis tout le monde, tout le monde à toutes les années, tous les promoteurs s'arrangent pour pr présenter des shows de lutte ou pendant le week-end du WrestleMania parce que tout le monde est là. Fait que on profite. ça, ça chiole après la WWE, mais ça profite, par exemple, de l'exposure que la, la WWE vit, génère. Il y a du monde qui vient partout dans, dans le monde. Ils sont à Dallas présentement. Fait en fin de semaine, tout se passe à Dallas. Fait Alors, il y a tellement de galères de lutte. C'est fou. Là. Juste Mike Bailey, il y a eu 8 combats en trois jours. Là. Mais c'est ça. T'sais, t'sais, quand, <laughs> on, quand, quand on critique la WWE, puis après ça, on saille la WWE. Je trouve ça un peu, en tout cas, hypocrite, touché. Mais bon, fait que, Cody Rhodes, finalement arrivé. Je suis très content. On a vécu un autre excellent et beau moment, puis celui-là, il nous touche un peu plus. C'est-à-dire que Kevin Owens a fait la finale de WrestleMania avec nul autre que Stone Cold Steve Austin. C'est sûr que c'était pas juste pour être un, un Kevin Owens show. Ils ont buildé ça. Il y a eu le match. Très bon match. C'est sûr qu'on pouvait pas s'attendre trop de Austin. Il était quoi, rendu à 56 ans? 19 ans. 19 qui, ans qui luttait pas, mais juste son entrée, lui aussi, quand il est rentré, le monde qui, qui répétait, c'est what, what. Puis le combat comme tel, puis euh, ça finit par, par un, un stunner, puis la victoire de Stone Cold. Un moment magique, puis euh, tu peux pas être plus fier que ça de Kevin. Puis tu vois que c'est à cause de ça. Qui a décidé de rester à WWE parce qu'il ne pourra pas créer ces moments-là ailleurs que la WWE. Puis pour lui, tu sais, Kevin l'a déjà dit, dans le temps du Monday Night War, lui, c'était pas un WCW guy, c'était un WWE guy. J'en suis un. J'écoute la AEW, mais je suis, tu sais, moi, mon sport, c'est la lutte. Tu sais, il y en a quand ils grandissent, c'est le hockey, c'est le canadien. Moi, quand j'ai grandi, je voulais être dans le ring avec mon idole de jeunesse qui était Dino Bravo. Quand la lutte internationale, a arrêté, je me suis tourné vers la WWE, puis pour moi, ben j'ai la WWE tatouée sur le cœur, fait que Kevin, yeah, regarde, il a, il a réalisé un autre de ses rêves que s'il serait parti à AEW, il n'aurait pas pu réaliser, fait que un moment de fierté, fait que tes impressions là-dessus? Ben c'est <laughs> juste quand que sa musique tu sais, je veux dire, euh, pr premièrement, ça, comme tu dis, ça doit être un rêve de petit de juste faire la finale de WrestleMania, puis, euh, tu sais, de, de le voir dans le ring, euh, tu sais, je m'imaginais être à sa place, tu sais, quand que ton call arrivait, là. Tu sais, comment qu'il devait être dans sa tête de faire comme, tu sais, comme, « Wow, qu'est-ce que je suis en train de vivre? » Tu sais, c'est le gars qui a donné le meilleur conseil à vie dans un aéroport. Exact. Puis il se retrouve, genre, euh, comme plusieurs années, à faire le même invite avec lui. Puis, tu sais, écoute, euh, juste leur leur échange euh, au micro, c'était du bonbon. Puis euh, quand il a commencé à se battre, écoute, tu sais, la chimie était là... Je, il y en a donné euh, euh, tu sais ton euh, col aussi puis son col il tu il m'a surpris pareil là des bombes qu'il a pris pis tout, je euh, je peux pas demander mieux là comme comme moment pour lui puis je suis vraiment fière euh, tu sais pas t'sais, je, je l'ai côtoyé mais pas personnellement mais je pense que tout le monde euh, qui sont fans de lui même autres dans les autres domaines de sport connexes il a fait une page d'histoire hier puis il a fait sa page d'histoire puis Écoute, euh, j'espère qu'il va y avoir des tribunes au Québec qui vont lui accorder des, des moments pour qu'il puisse venir en parler parce que c'est vraiment touchant. Puis, euh, tu sais, on, on est quand même privilégié de pouvoir vivre ça en tant que fan de lutte. Puis, euh, en tant qu'amateur de lutte, c'était vraiment beau. Puis, c'est pour ça que le, le texte de la pral, quand il, il expliquait vite-vite, m'a vraiment touché. Tu sais, on a vécu un autre WrestleMania moment hier, justement, avec ce combat-là. Puis, comme je disais tantôt, pour moi, ce combat-là, tu sais, c'est ça des fois aussi, ben, je trouve, c'est peut-être moi, mais je trouve des fois les gens ont de la misère encore à comprendre le principe de la lutte. C'est un divertissement, tu sais, je veux dire, c'est un. Tu sais, pour moi, dans ce combat-là, il n'y a pas eu de perdant. Kevin Owens n'est pas perdant. On a eu ce qu'on voulait. On voulait Stone Cold. On voulait qu'il voilà. porte un stunner à Kevin Owens. C'est ce qui est arrivé. Tout le monde va, a quitté ou a, a lâché le pay-per-view. Satisfait. C'est ça, la lutte. T'sais, tu oh oui, sais, tu sais, du. Tu sais, pour moi, Kevin Owens, là, oui, il a mangé. Ben, il en a donné un aussi. Il en a donné un ben... Ça, ça, j'ai aimé oh oui. ça, par exemple. Ça, j'avoue, j'ai aimé ça. J'ai pas aimé la, bon, la psychologie parce que tu kicks pas out d'un stunner. Mais bon, c'est Steve Austin qui a kické out de son stunner. <laughs> parce qu'après ça, Kevin a kické out. Il s'est fait piner sur un stunner. J'aurais peut-être aimé qu'il kick out puis qu'il y en ait un autre. Mais, tu sais, c'est ça qu'on voulait, c'est ça qu'on a eu. Il n'y a pas de perdant, tout le monde a été satisfait, puis Kevin a réalisé un rêve. Stone Cold, okay. moi, je ne sais pas si tu as, si as, si as remarqué dans, dans, dans le segment avec Kevin. Kevin, quand il se parlait. Moi, j'ai remarqué à deux, trois reprises là, Stone Cold, il avait le goût de rire des bouts. Ah oh oui, non, <laughs> je, tu pense, vois je pense qu'il qu s'est retenu. Chimie, il y a une chimie. Euh... <laughs> C est, c est, c est, c est, tu, tu le sens quand il y a une chimie entre deux personnes parce que ça se voit dans le ring, ça se voit juste la façon euh, qu'ils qui interagissent ensemble. Puis, tu sais, c'était palpable. Puis, les deux étaient. Je pense que les deux étaient vraiment contents d'être là à ce moment-là ensemble. Puis, tu sais, je, je, en cas, je. peux pas, euh, tu sais, je ne peux, peux pas demander mieux en tant que femme de lutte. Puis, tu sais, quand même, Kevin. Euh, c'est lui qui fait la, la, la c'est le premier Québécois à faire une finale depuis 2004 le là, pareil là. on s'entend que tu sais il y a quand même beaucoup d'années là qui, qui ont passé puis tu sais euh, j'ai vraiment hâte je check depuis ce matin ses impressions il n'y a aucune tu aucune entrevue avec lui euh, mais écoute euh, je suis sûr que dans les reportages où ils vont revoir le Wrestlemania euh, on va le voir en larmes en arrière après tellement que euh, il va être content là, de ce qu'il a accompli puis euh, tu il mérite tellement là, Effectivement, puis justement, en parlant de, de, de Pat LaPrade, tu nous as glissé un petit mot. Pat LaPrade, il a écrit un article sur TVA Sports, justement, comme quoi, en euh, vantant <laughs> Kevin Owens, on s'entend Kevin Owens, c'est un de ses grands chums. As lu, je l'ai lu aussi, tu as, as lu le texte, tu me disais tantôt que tu as eu euh, une petite émotion en lisant le texte. Donc, euh, qu'est-ce qu que tu retiens ce texte -là de ce texte-là de Pat LaPrade? c'est ben tu sais, quand que, tu sais, que quand tu as un rêve ben ça prend des années que ça va prendre puis euh, les efforts que tu dois faire pour il faut que tu y crois puis tant que toi tu y crois mais tout peut arriver puis euh, je pense qu'il l'a démontré avec euh, euh, avec euh, qu ce qu'il a fait hier que quand tu as un rêve peu ben, importe que les gens y croient ou non puis les gens essayent de te mettre des bâtons des les roues Si toi tu te dis que c'est là que tu vas aller ben tu es capable d'y aller puis euh, c'est une force euh, incroyable euh, euh, tu sais moi je trouve c'est vraiment de bravo là c'est il, il a vu ses hauts il a vu ses bas pas de la preuve il y en a vécu là des, des, euh, avec lui qu'il a fait de la route puis faire de la route tout le temps c'est pas tout le temps évident puis c'est pas dans les plus grands conforts du monde puis euh, fait qu'il y en a bûché pour arriver là puis euh, euh, c'est juste ça que j'avais il mérite il mérite puis Pat ben c'était la meilleure personne pour juste comme exprimer toute la gratitude puis euh, tu sais il a toujours il a jamais changé le gars il est resté toujours la même personne puis euh, il a montré que es capable d'évoluer puis de d'aller au sommet puis en restant toi-même puis euh, je pense qu'il y a des gens qui devraient prendre des notes de, de cet accomplissement là il y a des petits. Euh, ça me prend un petit peu de temps à te répliquer parce que présentement, je suis le site. Là, je, je suis sur le blog de, de, de Pat Laprade. Puis, euh, euh, moi aussi, je l'ai lu tantôt. Je vais juste euh, me permettre de. Il commence euh, son texte en disant Je me promène. Dans, ça, c'est hier. Je me promène dans les rues du centre-ville de Dallas. J'ai besoin de digérer ce qui vient de se passer. En même temps, un million de souvenirs me reviennent en tête. Là, euh, après ça, il dit un petit peu plus loin. Euh, écoute euh, la première fois qu'on a commencé à se parler plus souvent à la suite de son premier match à Ring of Honor dans le New Jersey en 2005 c'était contre B Boy avec qui justement discuté ce week-end il se souvient du match fait que, tu sais écoute la parade, puis Kevin Owens tu sais Kevin Steen c'est deux amis euh, tu sais tu peux pour moi quand que je parle de Kevin Owens, je peux pas, euh, pas mettre le nom de Pat Laprade, puis je peux pas mettre le... Je peux, peux pas me permettre de ne pas mettre le nom de Pat Laprade puis de sa Zayn, parce que ces trois-là ont évolué ensemble. Tu sais, Laprade, là, il suit, il suit Kevin Owens depuis euh, pratiquement ses débuts. Pas ses débuts débuts, mais pas loin. Puis tu sais, ils ont voyagé, comme tu disais, ils ont voyagé ensemble, là, à la Ring of Honor. Tu sais, ils faisaient le, vo le voyagement entre T'sais, Montréal, Maryville, souvent c'était à Philadelphie euh, au ouais. New Jersey. Yeah. Euh, Kevin, Pat, euh, euh, Sammy, euh, t'sais, euh, Sylvain Beauchamp aussi à cette époque-là. Il a été là dans, à toutes les fois. T'sais, à toutes les fois. Puis il a toujours soutenu Kevin. Puis il l'a toujours fait rayonner. Puis moi, ce que j'ai toujours dit à Pat <coughs> quand on se parlait. Moi, premièrement, Pat Laprade, je l'ai trop surnommé notre Dave Mesler du Québec. Parce que Pat Laprade, c'est le journaliste le plus oh. crédible au Québec quand on parle de la lutte. Euh, il, il est au même niveau pour moi que Dave Mesler au Québec. Puis tu sais, j'ai toujours dit à Pat, je dis, moi, ce qui me fascine, c'est que Kevin, euh, Sammy, puis toi, vous avez évolué à quasiment à la même vitesse. Eux, T'sais, dans le dans ring, puis toi... Puis lui, il a évolué. T'sais, on se souviens des Almanas? Tu te souviens quand il avait commencé par la Prête avec les Almanas, oui. puis qu'on distribuait? J'en je distribuais, mes filles en distribuaient. Puis après ça, il a été de projet en projet, puis il a toujours évolué, puis maintenant, il, il a écrit des livres, il est rendu à TVA sport puis tu sais, oui. ils, ont, ils ont connu la même évolution, puis moi, ça me fascine. Il y a ces trois gars-là, dans deux domaines différents, puis toujours concernant la lutte, ils ont évolué au même niveau. Puis je me souviens à une certaine époque euh, quand ils commençait à suivre euh, Kevin puis euh, Sammy euh, à la Ring of Honor, il y a quelques fois j'étais supposé faire des voyages avec eux autres, mais ça n'avait pas donné parce que ils savait mon intérêt pour la, pour la lutte puis j'aimais bien les gars <coughs> puis il m'avait proposé deux trois fois d'aller euh, à la Ring of Honor avec eux autres, je pense que à Philadelphie peu importe, mais ça l'avait pas donné. Par contre j'avais été avec eux. Quand que je poste ma fameuse photo avec AJ Style et ma belle moustache, c'était à Saint-Hyacinthe. Puis j'avais été avec <laughs> oui. Pat puis uh, Sylvain Beauchamp. Puis il avait, y avait. Bon, ben, c'est ça. Donc, tu sais, ça, ça, ça date de beaucoup. Puis je le comprends. Fait que, tu sais, euh, c'est son chum. Euh, puis moi, le texte qu'il a écrit, j'ai aucun problème avec. Ça vient personnel. Qui que qu écrit un texte, au, autant personnel que ça, parce que je pense que j'aurais eu la même émotion hier. Parce que oh, oui. de voir ton chum en finale d'un WrestleMania, c'est quasiment irréel. T'sais, quand on a regardé que je le regardais hier et puis je l'ai re -re regardé tantôt, moi aussi, c'était irréel. Là. Mais tellement de fierté. J'écoutais encore cette semaine Kevin qui, avait, qui a donné une entrevue à Jean-Charles Lajoie. Puis tellement simple, tellement pas compliqué. Pis Kevin... non, tu sais, il est a toujours resté le même gars, le même triple de lutte, tu qu'il est là pour donner le show. Puis quand tu sais que quand il rentre dans un match, peu importe le match va toujours bien sortir parce qu'il va toujours donner son 300, 400 et même plus parce que lui ce qu'il veut c'est donner le meilleur show possible, tu parce que il est là pour ça puis euh, ça a toujours été sa vision puis tout donc je trouve tu sais puis pour ce qui est du lien avec Pat, tu sais, je me souviens que Pat avait déjà dit, euh, Kevin, il a toujours dit à, à Pat comme quoi que t'as été le seul qui a toujours cru en moi, puis euh, je vais toujours être reconnaissant de ça. Puis je pense pour ça aussi que, tu sais, euh, Pat l'a toujours accompagné dans tous les moments là, des sphères de de sa vie professionnelle de lutteur, même personnelle, tu sais, euh, jusqu'à tu sais euh, être à son mariage, être euh, au fait de ses enfants, et tout ça, fait que c'est vraiment euh, une, une belle amitié. C la lutte, c'est un sport, c'est quelque chose, mais aussi on, on crée tellement des liens forts avec certaines personnes que ça, c'en est la preuve. Là. Exact. Puis tu sais, moi, je pousse ma réflexion un peu plus loin. Moi, j'ai toujours considéré la relation de Laprade puis de Kevin Owens un peu comme euh, comme si Kevin était le petit frère de Pat Laprade. J'ai ouais. toujours vu comme ça. Même on peut mettre euh, on peut mettre sa misine aussi, là. J'ai comme l'impression que tu sais, c'est. C'est la avec ses deux petits, ses deux petits frères. Pis il en prend soin, il s'arrange pour euh, les, les faire rayonner, parler d'eux. De il l'a toujours fait. T'sais, 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 même dans le temps, moi je me souviens, euh, on parlait sur euh, le, le forum, le Webzine, le FN Lutte. Pis même encore là, il les défendait corps et âme. Il les a, a, a toujours défendus. Aujourd'hui, si tu réalises qu'il avait raison à cette époque-là. Tu voyais, des fois, on disait ah, pense que tu un peu. mais ben, Moi, je. Moi, je me de sur le feu à l'époque. Je disais ça. Ben, je pense que tu étais un peu. Puis, euh, ben, regarde, euh, y, il y avait raison. Il connaissent son affaire et tout ça. Puis, les gars, regarde, sont devenus des, des méga vedettes. Puis, euh, non. Écoute. Je pense que les gens vont en parler positivement. Puis, euh, les, les, les critiqueurs de d'Internet de, de, vont, vont faire comme OK, gars, ça, même si je voudrais critiquer, euh, il <laughs> n'y a rien à critiquer. C'est juste beau. Puis, c'est juste. Euh, Bon pour euh, euh, le Québec aussi, je veux dire, on, grâce à ses exploits, ils ont fait parler de nous, là, t'sais, il, t'sais, même hier sais il est cœur de ses racines, euh, C'est euh, cool. <laughs> exact. Puis, je finissais tantôt, je te disais que j'avais répliqué sur la page de la Prade, mais que mon post avait été... Euh, il a disparu, je me l'ai fait voler. <laughs> mais j'avais fini, fini en disant comme quoi qu'une que légende... Du Texas, mettre un petit gars de Maryville over, c'est tout à fait, ben, tu sais, qu'il décide de, de faire son dernier match contre un petit gars de Maryville. Moi, je trouve ça tout à fait incroyable parce que Steve Austin, tu sais, il est revenu, tu sais, t'as le choix, là. Ça fait 19 ans qu'il lutte pas, whatever. Il a décidé de revenir pour Kevin Owens. C'est quelque chose. Ben, c'est ça qu'on disait, c'est ça qui faisait que c'est spécial. On dirait qu'il. Euh... Parce que Kevin Owens, tu le vois que, tu sais, c'était comme il y a un peu de stone en lui, là, dans, dans la façon qu'il est, dans la façon que tu sais, on t'sais, ça, ça, est, on dirait qu'il a comme tendu la perche, Puis là, on dirait que je pense juste que ça va je sais pas combien de temps que ça va durer, mais je pense juste que ça, ça va le faire encore, cette période d'un don à faire de plus. Euh, sa performance d'hier avec lui. Tu sais, pour moi, le combat avec Steve Austin, il y a juste la finale de WrestleMania, ça vaut toutes les ceintures. Tu sais, il y a des gens qui vont dire Ouais, mais là, c'est quand qu'il va devenir champion. Ouais. On s'en fout de quand qu'il qu va, y va y devenir champion. Il n'y a pas ouais. besoin. Il l'a déjà été. Il était champion universel. Ça, là, c'est dans les livres. Il n'y a personne qui va pouvoir y enlever. C'est dans les livres. C'est. Mm. clair. des moments comme hier, tu vas t'en souvenir toute ta vie, puis on va en parler encore dans 10-15 ans. Puis là, je souhaite juste que c'était vraiment le dernier match à Stone Cold, puis que ça soit. Tu sais, cané que ça soit. Son dernier adversaire, ça a été Kevin Owens. Qu mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que tu veux demander de mieux? Tu ne peux pas demander de mieux que ça. Ouais, c'est vraiment euh, incroyable. Fait que Jen, deuxième soirée de WrestleMania ce soir. Je suis prête, on est prête. Prêt. Oh, oui. Je suis prête. Euh, puis euh, J'aimerais ça qu'on y aille de nos prédictions. Je vais y aller avec mes prédictions. Puis euh, tu me donneras oui. les tiennes après. Parfait. Fait que, ben on, 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 on va essayer, back to back. Fait que je débouille ça. Fait que deuxième soirée de WrestleMania. En passant, le hier, il y a un combat qui a été coupé de la carte, le championnat par équipe de Ah euh, non, excuse, c'est euh, New Day contre euh, Sheamus ouais, et oui. euh, Rich Holland. Il devrait euh, avoir lieu ce soir, sûrement dans le kick-off. Puis le premier combat qui va partir à WrestleMania ce soir, c'est le combat par équipe, championnat de Raw On Street Profit rk Bro, puis Alpha Academy, fait que c'est ce premier combat-là qui va starter euh, ro euh, ro <laughs> WrestleMania ce soir. <laughs> Donc, championnat universel, Roman Reigns contre Brock Lesnar, champion contre champion, le gagnant remporte tout. Ça, là, c'est vraiment difficile parce que à cause de la COVID, tu sais, à Day One, ça m'a un peu embrouillé un peu parce que là, je ne je je, je savais plus où ce qu'il allait. Je voyais avec mon cœur, puis avec mon gros bon sens, je dis Roman Reigns, over. Le combat se termine parce qu'on entend parler, ça fait longtemps, du prochain WrestleMania qui est à Hollywood, Los Angeles. On parle déjà de The Rock contre Roman Reigns. Donc, Roman Reigns, over. Juste avant qu'on s'en va en dehors des zones du pay-per-view, la musique de The Rock arrive. Le toit explose, man. Ça va oh oui. shh, Écoute, ça, ça, ça va virer fou. C'est ma prédiction. C'est ma prédiction. Donc, c'est quoi la tienne? Pour ce combat-là? Euh, je vais y aller. Euh, moi, ben, Roman, moi, je donne à Roman. Mais j'ai l'impression, vu que au dernier match au Madison Square Garden, Brock qui s'est fait un peu avoir, qu'ils vont peut-être donner. Mais mon cœur va avec euh, Roman Reigns, avec tout ce qu'il a accompli dans les deux dernières années. Il peut peut-être avoir une continuité. Et surtout, moi, c'est ça, ça je te dis, voir The Rock euh, contre lui, ça serait vraiment un, un choix personnel. Là, donc, euh, je vais croiser les doigts. <laughs> oh, ça va arriver. Ça, c'est clair quand on va arriver. Il, on l'avait déjà vécu une couple d'années. John Cena contre euh, The Rock, ça, ça s'était buildé sur un an. Là. Les gars, ça n'a pas vu dans, dans l'année, mais ça s'était buildé. Donc, ça va sûrement être le, le même principe. Euh, Edge contre AJ Styles, je vais donner ça à Edge. Ben moi, je vais donner ça à AJ. D'accord. Juste <laughs> parce que je me dis que euh, Edge, dans, dans son changement de caractère, euh, il a quand même eu euh, pas mal de d'exposure. De, Puis, euh, je, si maintenant, il ne continue pas comme leur feud, je pense que pour compléter, AJ il devrait gagner, là. C'est ma perception. Tu sais, je vais être bien honnête avec toi. Ça fait au moins 3-4 semaines que je n'ai pas écouté Raw et SmackDown. Fait que je vais vraiment au pif parce que. Mais par contre, j'écoute la AEW. Je l'ai décédé le mercredi je ne peux pas enregistrer ça. Je l'écoute. Fait que. Tu sais, pour le gars tantôt qui disait qu'il était un WWE guy, ça va mal. Championnat féminin de la WWE. Euh, moi, je... il va avec des nouvelles championnes en hein, les personnes de Rhea Ripley et Liv Morgan Over. C'est mon pic aussi. Euh, depuis que j'ai vu ce match-là annoncé, je souhaite que c'est ces deux-là. Euh, si je regarde, il y en a qui ont quand même eu des certains des beaux moments à WrestleMania. Et Liv Morgan, c'est la seule qu'il n'a pas eu. Puis je pense que ce soir, avec son alliance avec euh, euh, Rhea, je pense que c'est la meilleure, meilleure affaire qui Pourrais donner un WrestleMania Moment, puis euh, je serais super content que ce déroulement-là arrive. Moi, c'est mon pic euh, depuis le début. Puis j'aimerais ça, à un moment donné, s'il vous plaît, la WWE, là, on peut-tu donner de la crédibilité à ce titre-là, parce que sinon qu'on l'enlève, parce que là, c'est voilà. pas mal n'importe quoi. Euh, Il voilà. y a tellement de bonnes lutteuses dans le monde. Tu sais, je comprends. C'est ça, la WWE, c'est familial, c'est un divertissement. À un moment donné, les championnats, on peut-tu leur donner de l'importance, parce que moi, je il y a un titre, pour à moi, c'est Je pense qu'à moment donné, dans la, dans la révolution de la lutte féminine qui ont voulu monter, je pense peut-être qu'ils <laughs> en ont mis trop. Puis, euh, c'est ce qui est des choses qui arrivent, là. Exact. Euh, Sami Zayn contre Johnny Knoxville. ben mon choix, écoute, euh, on va donner <laughs> ça à Johnny Knoxville. Bien, ça va de soi, pas... C'est comme un invité. C'est un, un gimmick match, je peux me permettre. Donc, c'est pour... Euh, c'est comme donner à la foule euh, tu sais comme puis je pense que il est, est là pour ça puis Samy, euh, c'est la meilleure personne pour le met-over, là je l'aime tellement dans son nouveau personnage là. <laughs> ouais il est vraiment beau puis ils ont bien même... travaillé cette histoire là d'aller à, à la première euh, tu sais de, 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 du film puis tout ça puis les textes qu'il y a eu, parce qu'il a mis son numéro de téléphone, pis. Fait que ça a bien été travaillé, pareil. Là. Ça aussi, si Samizane pareille, c'est clair que les réseaux sociaux vont sûrement, par plusieurs personnes, s'enflammer et dire c'est ben, ça, il a perdu, ne sait même pas un heures non- C'est pas de même qu'il faut voir ça. Faut voir ça que Samizane, Zayn, présentement, il est dans un storyline important. Il est là à toutes les semaines. Oui. Il est dans oui. un groupe et il en fait parler, tu sais. C'est de même qu'il faut voir ça. On l'a dit, c'est un divertissement. Il ne faut pas voir oh, il paye contre Johnny Knoxville. Non, non. Il, il, il est à la télé à toutes les semaines. Il est dans un storyline. Puis euh, Il, il tripe, On le regarde puis il tripe. Oui, oh oui, puis je pense que Knoxville va arriver avec sa gang de, euh, qui est de Jackass, puis pis tout, puis, euh, Il va arriver quelque chose. S'il il gagne, ça ne sera pas de façon genre euh, En tout cas que c'est moi qui se trompe, là, mais l'impression que sa troupe va la l'accompagner un peu comme quand il est rentré à Royal Rumble. – Sûrement. Euh, okay. Pat McAfee okay. contre Austin Theory. Ça, je ne suis pas un fan de quelqu'un qui est commentateur et qui va lutter. Là, je ne suis pas un fan. Euh, je donne ça à, à Theory. Un, c'est un lutteur que moi, j'adore. Puis, euh, un, pour moi, si on le fait perdre contre Pat McAfee, euh, ça, ça va être très mauvais pour Theory. Fait que Theory over. OK. Ben, moi, je vais y aller avec euh, Pat. <laughs> <laughs> D'accord. Dans le sens que, moi, je vois ça d'un autre angle. La façon qu'ils ont monté ça, euh, je sais que, tu genre, c'est un, un commentateur, mais je sais qu'il va se débrouiller parce qu'il s'entraîne comme lutteur aussi. Fait que peut-être qu'il va faire des surprises. Puis, euh, moi, je pense que peut-être Vince va venir essayer de mettre la merde pour aider Austin. Et que euh, Shane McMahon va venir aider Pat à gagner. Ouais, Je dirais plus avec euh, Shane. Ouais, ouais, c'est pas fou, ça. <laughs> tu sais, parlant de, de, de personnes qui, qui sont pas lutteurs, mais qui se retrouvent dans un ring, hier, yeah, sérieusement, de Logan Paul. Là? Oh, oui. holy shit. J'ai été Beau très physique. surpris. <laughs> très, très, très surpris. Un, il look. Il y, a, il y a la bête, il look. Puis, sérieusement, pour quelqu'un que je pense qu'il n'a jamais fait de, de, de match, écoute, euh, je l'engage demain ouais, matin. S'il si si continuerait comme des euh, entraînements, puis ça, je pense qu'il y aurait de quoi à faire avec lui. Puis, peut-être qu'il s'est trouvé une nouvelle passion, puis il va continuer. C'est ce qu'on va voir. J'ai pas aimé, par exemple, la, la, le finish. Comme je dit, j'ai pas suivi les, les, les dernières semaines. J'ai pas aimé le finish parce que, d'après moi, moi, de ce que je voyais hier, là, on avait une équipe. Là, de mise, ouais. puis lui, on avait une équipe. Là. Oh, oui, oui. Fait que, Effectivement. Bien bon. Euh, championnat par équipe de Raw, R.K. Bro, Street Profits, Alpha Academy. Comme je disais tantôt, ce combo là va ouvrir WrestleMania. Euh, pour moi, on va avoir des nouveaux champions, euh, Alpha Academy. Over. Euh, moi, je vais y aller avec euh, R.K. Bro. Hum, parce que j'ai l'impression que Street Profits, et moi, j mon cœur arrêté avec eux, mais j'ai l'impression que euh, cette équipe-là va se dissiper bientôt. Fait que j je, je sais pas c'est pour ça que je vais rester avec Ark et Bro. Euh, pour asseoir, parce que moi j'aime euh, j'aime bien euh, l'équipe euh, qui sont. Puis euh, eux autres aussi, j'ai l'impression peut-être aussi que ça peut splitter, mais euh, peut-être pour ce soir euh, je, je, vais, je vais y aller avec eux. C'est sûr que Street Profits vont euh, splitter à un moment donné, parce que là tout le monde parle de Montes Ford qui, euh, qui qui est dans les bonnes grâces de, de pas mal tout le monde backstage, donc euh, c'est sûr qu'il y a de l'amener pour lui en solo, un peu comme qu'on l'a fait avec euh, Otis puis euh, son partenaire, là. le partenaire il est disparu, puis euh, lui, ben, ouais. il moi, est resté. Es continuer, là. Exact. Il forme une bonne équipe, là, par Alpha Academy, là, pour vrai aussi, là. Pis, mais, on va voir, j'étais comme pas sûr. D'accord. Bobby Lashley, homos. Ben, moi, je mets Lashley over. Moi, je vais y aller avec Homos parce que vu qu'ils veulent le builder, j'ai l'impression qu'ils vont y donner euh, l'over. Effectivement. Parce que à la base, lâché, il était pas supposé être là parce qu'il était blessé. Il a réussi à récupérer plus rapidement, ce qui fait qu'il peut être à WrestleMania. Fait que moi, je le vois dans cette optique-là, peut-être sûrement que je me trompe. Euh, je ne suis pas bon pour les prédictions, mais <laughs> je vois, si je le vois de cet angle là, ils vont peut-être essayer de, de builder euh, l'autre euh, comme ça. Euh, C'est pour ça que j'ai choisi. D'accord. Un match qui a été retiré de la carte hier qui va être présenté. Euh, je ne sais pas si ça va être présenté sur le, la carte principale ou sur le kick-off. Euh, hier, les nouvelles c'était que ça va être au kick-off. Donc, de New Day contre Seamus et Rich Allen. Moi, j'ai mis euh, Over Sheamus et euh, Allen. Vu la blessure de Biggie, je pense qu'ils vont peut-être donner à New Day. Ouais, peut-être faire un. Un, un clin d'œil. Oui, effectivement. ouais peut-être, là mais euh, un des deux, je serais contente quand même. J'aime bien ce qu'il est en train de former avec les deux gars. Fait que euh, Seamus, mais vu, c'est ça, comme je te dis, la blessure, euh, ils vont peut-être euh, donner à New Day pour ça. C'est ce qu'on va voir ce soir. Parlant de blessure, hier, premier match. D'après moi, honnêtement, là, ton, ton, ton guitariste de Queen, là, euh, Rick, Rick Boogs, je vais dire, je vais dire Boogs. Là. Ça se peut que je me trompe dans le nom. lancez -moi pas des Freddie roches. Mercury. Freddie Mercury. Ah, Freddie Mercury avec euh, 100 livres de plus. 150 livres de plus. Tu vois, ton Fre 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 Freddie Mercury qui s'est blessé, j'ai eu mal quand j'ai vu ça. Puis euh, en même temps, ben, tu parce que tu. Oui, c'est sûr que bon, ça va ça, ça l'air d'un work. Moi, j'ai déjà eu la même genre de blessure. Fait que je l'ai vu quand il est tombé. J'ai fait Oh my fucking God. Puis d'après moi, ce qui me, ce qui me rend le, pas le plus triste, mais ce que je trouve plate, c'est que je pense sérieusement que c'est eux autres qui prenaient les ceintures. Ah oh ouais. Ah oh, oui, ben oui. Tu sais, t'ouvres le gars avec un match de championnat. Euh. Les c'est pour ça que j'étais un peu mélangé là, avec euh, mon Brock Lesnar et Roman Reigns. Parce que moi, je me disais, si oh. les Housseaux perdent, Roman perd. Tu fais perdre la... Généralement, quand que la. Tu sais, quand une quand, clique, quand, ouais. quand un clique... Bon, généralement, la clique a les ceintures, puis quand ils commencent à les perdre, ils perdent toutes. Fait que moi, dans ma tête, hier, c'était clair que Nakamura puis euh, Freddie Mercury gagnaient. Puis euh... <laughs> <laughs> les Housseaux perdaient. Fait je trouve ça plate que ça soit fini comme ça. Euh, c'est sûr. Que, euh, puis, tantôt, je t'ai envoyé un lien euh, un lien YouTube, justement, euh, concernant Fred. Puis, euh, <laughs> Rick Boogs. Euh, oui, je me à dire son nom. <laughs> Rick Boogs. Puis, avec <laughs> ses blessures, il y, y a les deux genoux, pas un. Il y a les deux genoux scrap. Oh, ouais. Tu l'as vu, la vidéo? Oui, c'est Fait que moi, je me dis, t'arrives, je comprends que t'es WrestleMania t'as les deux genoux finis, dude. Tu vas pas faire ça. Je comprends, là, mais t'as les genoux finis. T'sais, t'as pas été opéré pour l'appendicite, là, t'sais. T'as les genoux finis, tu t'en vas faire des squats avec deux lutteurs. C'est clair que tu te mets en danger à quoi qu'il a pensé. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Ceux qui ont pas vu le vidéo, là, allez sur YouTube, tapez euh, Rick Booz injury NXT injury puis là vous allez tomber sur le vidéo où ce est comme dans son salon vous voyez un vaisselier en arrière puis là il montre ses deux genoux qui sont belles cicatrices un peu à la Triple H puis que tu sais il est arrivé hier sur le plus gros show où ce qui s'en allait sûrement over puis paf le genou il a lâché pour une xième fois soit que tu es tarte ou que tu comprends pas désolé mais tu sais il mentionne que c'est une déchirure au tendon patellaire de ce que je vois. C'est comme avec le terme plus, mais c'est minimum un an de convalescence Mais ben c'est clair, le tendon il décolle. Tu pas de la rotule, mais tu as la rotule qui vient de manger un coup là. Tu l'as vu hier, ça a complètement lâché. Oh oui, tard. oui, oui. oui. Tu je te mais parlais. Coup, moi, j'étais pas sûr. Puis j'étais comme ah, ok, dans Star Wars, c'est pour planifier comme le finish et tout. T'sais. on va toujours comme. Euh, T'sais, en tant que worker, on va comme pas trop tout le temps le, on veut juste s'assurer, on recheck, Puis euh, non, non, C'était vraiment dessert. Mais le problème là-dedans aussi, ce qui a pas aidé, c'est que l'arbitre, euh, je sais pas pourquoi, lui, il n'a pas fait le X. Il était en pleine télé. Là. Il n'a pas fait le X. Fait que c'est sûr qu'à partir de là, quand, es, quand es dans le lutte ou quand tu connais le lutte, tu t'attends à ce qu'il y ait un X. Quand il y a un X, tu sais qu'il y a un problème, tchobe, mais l'arbitre ne l'a pas fait. Il n'a même pas été en bas pour voir s'il était, co était correct. T'as vu le, tra la, la, le trainer, le, 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 une personne d'équipe médicale, par exemple, courir parce qu'elle a vu qu'il y a de quoi qui marchait pas. M'en tu le sais. Ils, ont, ils aussi ont des oreillettes. Là. Puis ouais. après ça, ben, t'as vu que dans le ring, c'était un peu désorganisé, mais c'est normal. Là. Le gars, tu le sais qu'il ne lutte pas. Fait que, au moins, ils sont allés au finish assez vite. M'en moi, je l'aurais fait plus vite que ça. Mais ils sont allés au finish. Puis. Passe à un autre appel, mais bon, s'il est parti pendant un an, ben c'est sûrement sûr parce que le genou, euh, surtout avec la rotule tout ça, ça ne pardonne pas. Là. Mais c'est juste triste. Rien faire, là. <laughs> Effectivement, c'est juste triste, honnêtement, je suis quasiment sûr qu'il était pour devenir des nouveaux champions de SmackDown. Il y a aussi il faut que les lutteurs quand ils se blessent, là, qui, qui réagissent tout de suite euh, au lieu de jouer à Superman et Wonder Woman de Ah, je vais essayer de finir le match je l'ai fait pour moi-même puis j'ai couru à ma perte c'est une des raisons pourquoi que j'ai pas remonté vraiment dans un ring parce que suite à ma blessure euh, c'est jamais revenu là je veux dire euh, mon bras il, il, il claque toujours puis euh, fait que ça c'est compliqué fait que c'est c'est faut aussi euh, et s'écouter là euh, moi quand j'ai entendu le crack sur mon bras là quand c'est arrivé mais je savais qu'il restait tant de choses euh, avant le match puis j'ai décidé de le finir quand même et c'était moi qui gagnais le match et, et moi la conne, j'ai décidé, ben il oublie ça là. Ah, c'est clair. c'est surtout là, tu sais, sais dans le temps, je peux comprendre. Dans, les lutteurs, ils voulaient pas. Euh, ils, voulaient, ils, ils se donnaient C'était comme un code, là. Il fallait qu'ils finissent euh, le, le, le combat, mais à un moment donné, c'est blessé, t'es blessé. Peux fait fait que T'arrêtes, euh, là. Ouais, là peu importe. Mais là, c'est sûr que là. WrestleMania. C'est ça, ça, ça moi qui m'a confuse un petit peu. Ouais, c'est clair. Euh... Ça fait que. Je, je fais de bon rétablissement là, parce que c'est pas évident. Ah, c'est clair. Puis c'est des choses qu'on veut jamais voir. Tu sais, des, des blessures comme ça, c'est tellement. Non, c'est pas pas agréable. Ils se donnent tellement, fait que, à euh, une euh, le corps, euh, c'est exigeant, là. Surtout que, c'est quand t'as des blessures, que. Tu sais, les lutteurs, là, c'est les genoux, les, 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 les bras, puis. Euh, c'est des places, là, que c'est assez euh, des blessures courantes, là. Effectivement. Diane, on a fait le tour. Y a-t-il un autre sujet que... Je pense que pour ce soir, je pense que c'est ça que tu voulais faire, si je ne me trompe pas. Non, vous avez je une des petites notes, là, je pas mis de notes. J'ai mes onglets d'Internet ouverts. D'après moi, on a fait le tour. J'avais dit. Ouais, vas-y. Il y a tellement de luttes ce week-end que je vais essayer aussi de. de, de, de euh, je suis en vacances cette semaine, donc je vais essayer de faire des petites recherches. Euh, je vais parler avec Christo, elle, comment elle a vécu de semaine de WrestleMania au Texas, là-bas, parce qu'elle avait plusieurs galas. Euh, même son conjoint a fait ses débuts à la euh, JCW. Oh oui. JCW, Game oui. Changer Wrestling. Oui, oh, oui. intéressant. Que, je pourrais peut-être lui euh, demander ses impressions, comment il a vécu ça, parce que. Une première fois aux États-Unis, euh, c'est quand même quelque chose de, de, de le fun. Peut-être que je vais t'emmener avec des petits, euh, des petits commentaires par-ci par-là pour le prochain C'est good. Oui, on avait, je voulais parler d'autres choses. Je voulais parler de la Ring of Honor, Supercard of Honor. Je voulais parler ah, spécifiquement simple. du combat euh, ben un. Euh, ben, premièrement du combat euh, FTR contre les Briscoes. Puis, euh, je veux tes impressions sur euh, le combat de Martin, euh, Mercedes Martinez, qui est devenue la nouvelle championne intérim, Ring of Honor féminine. Tes impressions? Oui. Euh, ben en fait, euh, mais à chaque fois qu'elle a une réussite, je suis pas fier pour elle parce qu'elle mérite ces reconnaissances-là. Puis, euh, elle travaille fort euh, pour avoir ces, ces matchs-là. Euh, J'ai trouvé que, personnellement, le match, il y avait peut-être un petit manque de chimie, je sais pas, des fois. Il, euh, moi j'avais déjà vu l'autre performer, l'autre lutteuse euh, à femme fatale, puis j'avais été vraiment impressionnée. Mais je ne sais pas, le, le, il y avait des, des petites choses, des techniques que, que je voyais que, que si c'était pas, c'était moins fluide que d'habitude. Mais euh, je suis vraiment contente euh, qu'un autre porte de plus pour elle là, en étant la championne. Puis j'ai remarqué aussi qu'il y a eu beaucoup de changements de championnat. Fait que ça donne le ton aussi. Euh, vu l'achat de la ROH avec la AEW, que ça va faire. Mais non, je suis vraiment contente pour elle. Qui sait, je vais peut-être essayer d'avoir ses impressions aussi. Écoute, moi j'ai eu une petite crainte, j'ai eu une petite peur quand je ne me souviens pas du nom de l'autre lutteuse, quand elle a fait son moonsault, puis qu'elle a atterri complètement sur Martinez. J'ai fait, oh my god, a tu cassé les côtes? J'ai vu pour ses comptes, moi aussi, j'ai vu elle comme changer, puis après ça, tu voyais que chaque chose qu'elle faisait, ça retenait toujours. T'sais, oui, on, on vend et tout, et, mais écoute, elle y a vraiment tombé dessus solide, puis ça, la façon qu'elle est tombée tombé, là, ça aurait pu être vraiment dangereux. Là. Effectivement. Fait que, nouvelle championne, pleinement méritée, fait que Mercedes Martinez, nouvelle championne, intérim, Féminine de la Ring of Honor. L'autre match, c'est un match qu'on attendait. Là. Ça fait longtemps qu'on l'attend. FTR euh, contre les champions de la Ring of Honor, euh, les Briscoes. Écoute, ça a été ça, un bon. match spectaculaire <laughs> du début à la fin. La foule était dedans. Moi, j'ai donné un combat 5 étoiles. Euh, il yeah. va être dans mes choix pour quand je vais choisir le combat de l'année 2022. Il est, il est déjà dans ma liste. Puis regarde. Encore là, comme je disais tantôt, ce combat-là, pour moi, tu sais, c'est sûr que les briscos, ont les briscos ont perdu, mais pour moi, il n'y a pas de perdant parce que j'en ai eu pour mon argent. Puis les deux équipes m'ont mis, j'étais sur le bout de ma chaise là, oh, tout le ouais. long. Puis tu sais, c'est la marque de respect des deux à la fin. Moi, ça, je trouve ça, Il le de plus en plus, mais c'est euh, de, de voir là, le respect que les deux euh, les équipes avaient un pour l'autre à la fin. J'ai trouvé ça vraiment. Euh, euh, si moi c'est venu me chercher c'est de donner des frissons parce que comme sais c'est pas juste un match 5 étoiles, mais c'était deux extrêmes bonnes équipes qui s'affrontaient puis ils ont donné euh, vraiment euh, écoute du, du début à la fin là c'était euh, tout tout se suivait tout était tout était beau tout tout avait du sens dans tout ce que, tout ce qui était là je sais pas c'était vraiment bon de ça, le seul bémol mais moi j'aurais donné comme le le moment encore euh, au Busco, euh, au lieu de faire intervenir euh, Young Box mais encore là, c'est parce que c'est pour poursuivre quelque chose. Mais j'aurais comme laissé le moment qui était magique continuer plutôt que... Euh, mais ça, c'est moi en tant que fan de lutte. Là. Ben, Même effectivement. Si pour quelque chose. Là. Effectivement, j'aurais laissé encore un petit peu plus de temps. puis... Mais euh, ben, ouais, effectivement. Euh, ben Moi, ce que j'ai, comme tu disais, la marque de respect, moi, je l'ai plus trouvé cool de la part de FTR parce que eux autres ont regardé les Briscoe puis ils ont vraiment salué là t'sais, en voulant en comme t'sais, vous êtes oh, les oui. ça ça c'est quelque chose sauf tout venant d'une équipe comme FTR qui pourrait jouer les grosses têtes parce qu'ils ont, ont été partout puis ils ont gagné toutes les, les, les ceintures qui fassent ça ça j'ai trouvé ça de la grande oh non, classe. Un beau moment. Oui, vraiment puis FTR yeah qu'on le veuille ou pas, ben, il va falloir les considérer euh, parmi, éventuellement, moyennement qu'on connaît la lutte, il va falloir vraiment penser à les considérer comme une des meilleures équipes à vie, parce qu'ils ont été champions à Raw, ils ont été champions à SmackDown, donc la WWE, ils ont été champions à NXT, ils ont été champions à la AEW, ils sont champions du Mexique AAA, ouais. puis présentement ils sont champions la Ring of Honor. Je pense que la seule chose qui leur manque, c'est les titres par équipe de la New Japan. Puis euh, je connais pas honnêtement grand équipe qui ont tout accompli ça. Fait que c'est clair que je peux te faire un portrait global. Si on, je les positionne, j'ai pas eu le choix à m'emmener, mais là, je les positionne déjà dans mon top 10 des meilleures équipes de, 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 de tous les temps, de ce que moi j'ai vu depuis que je suis la lutte. Là. Euh, ils font partie. Puis tu sais, c'est une équipe qui est old school. J'aime ça. Moi, c'est ce que j'aime. Ah oui, oui, ils sont la façon qu'ils travaillent la façon que tu sais ils, ils reprennent tout le temps le dessus sur dans le match j'aime ça ça revient comme à la base de la lutte tu sais puis euh, tu vois que c'est des passionnés puis tout leur cheminement ben je trouve que oui ils ont accompli beaucoup à la E ils ont donné un ton à leur nom à la E mais je pense que le fait d'être libre maintenant ça ça fait juste éclore puis de voir l'équipe solide qu'ils sont puis euh, euh, C'est comme le, le, le respect de leur père, comme ça, le, avec leur accomplissement. Là. Jen, on termine là-dessus. Yeah. <laughs> je te souhaite ce soir une très, bon, très bonne deuxième soirée de Wrestlemania On va souhaiter que, nos, va se que nos prédictions, <laughs> ouais, on va aller se préparer. Moi, je vais aller mettre ce merveilleux podcast-là en ligne. Puis, euh, je te remercie de ton temps, puis euh, je te dis à la prochaine. Bye. Bye.